Ça va, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très 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 spéciale parce que maman m'a préparé un swap. Donc il y a 22 cadeaux, donc je suis vachement contente. Donc si vous voulez voir ce qu'il y a dans les paquets, ben let's go! Maman, tu nous montres le menu? Voici le petit menu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vous le lirai au fur et à mesure. Oui, donc il y a des papiers cadeaux ligands et donuts. Les cadeaux, donc le voici. Donc il est tout mou. Je te lis l'indice. Oui. Tu peux le porter. Un maillot? Oui. Mais quoi comme maillot? Un licorne? Bah je sais pas, ouvre. Je vais l'ouvrir, donc voilà. Ça vient de chez H&M. Et le voici. Il est vachement beau. Voilà, il est vachement beau. Merci maman, il est trop trop beau. Il est canon, hein? Ouais, il y a une licorne, un arc-en-ciel et tout et tout. Donc je suis contente pour le premier cadeau. Alors, tiens, donne, je vais le mettre de côté. Deuxième cadeau, donc le voici, et maman va me lire l'indice. Pour dormir ou faire des vidéos. Un bandeau. Bah ouvre, vas-y. Ah, il est trop beau. C'est celui-là que je voulais, chez Claire. Tout le monde l'a en plus. Voilà, le bandeau. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Je le voulais trop. Ça fait un petit moment que je le garde précieusement. Le voici, il est trop trop beau. Oh, il est trop beau. Voilà, mais le voir. Vous allez le voir très souvent. J'enlève mon petit. Waouh, comme tu es belle. Donc vous allez le voir très souvent dans mes vidéos alors. T'es contente alors? Oui, trop contente. Cadeau numéro 3, il est là. Donc voilà le cadeau numéro 3. Indice numéro 3, à mettre sur la tête. Ah, un serre-tête que je mets tout le temps. C'est un serre-tête quoi? Mais parce que je mets tout le temps des serre-têtes. Oh, un licorne. Bah ouvre. Très beau. Regardez ce serre-tête, il est vachement beau. Donc quatrième, donc ça a l'air d'être quelque chose. Pour ranger tes stylos. Une trousse licorne, je suis sûre. Je peux l'ouvrir? Oui, vas-y. Tu vois la multicolore que je t'avais demandé? Oui, c'est ça! C'est la multicolore que je t'avais demandé! Oh. Et je voulais trop regarder la trousse. Elle est en cuir un peu. Non, c'est pas en cuir, c'est. Je sais plus comment dire comme matière. Donc, elle est trop belle. Elle est. Tu vas prendre celle-là du coup. Ouais, et l'autre, je te la donnerai. Cinquième. Voilà, il est un peu gros lui au moins. Voilà. Alors, pour avoir chaud. Pour avoir chaud. Non, c'est vague, hein. Je dirais. Donc, c'est. C'est large. C'est épais. Oui, donc c'est épais. Qui est épais qu'on met pour avoir bien chaud? Un manteau. Non, un manteau, c'est encore plus épais. Une veste bikini. Non, on réfléchit. Je sais pas trop, moi. Un pyjama. Je sais pas. Bah vas-y, ouvre. Ah, un pull licorne. Je vais vous le montrer de plus près, donc le pull. C'est un pull crop top. Oui, j'adore les crop top en plus. Le voici. Il est vachement beau. Merci bien. Maman. Oui, là c'est le 6. Il est très intriguant celui-là. Oh, regardez le petit. Le numéro 6. De jolies couleurs pastel. Je sais. C'est les surligneurs pastel. Ah vas-y, ouvre, vois. J'avais déjà le violet pour cette année, alors. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Alors? Donc, voici les petits marqueurs. Ils sont vachement beaux. Hein. Franchement, les couleurs, elles sont trop belles. Mais ceux-là, ça sera pour le plus pour la maison. Ou des fois, dans les années... Bon, on s'en servira toutes les deux, comme ça. Oui.
Et des fois, dans les années, ben, je pourrai en reprendre un. Ensuite, le numéro 7, pour te coiffer. Et le brosse licorne, je suis sûre. Bah, vas-y. Parce que je sens les poils. Elle est trop belle! Regardez cette beauté! Elle est vraiment trop jolie. Parce que moi, j'en ai une toute simple rose. Ouais, donc, elle est trop belle. Comme ça, je te la piquerai plus. Elle est trop belle. Et c'est écrit Unicorn. Elle est canon, hein? Tu pourras plus me piquer ma brosse comme ça. Oui. Donc, 8e, il est bizarre celui-là. Pour tes bijoux. Une boîte à bijoux? Pour tes bijoux. Ah non, un accroche-bijoux. Bah, vas-y, ouvre. Ah, oh, trop beau. Et en fait, là, vous voyez là, tout le rond de tour. Bah, on met nos bijoux et voilà. Et on peut le mettre sur le bureau, quelque part. Ouais. Il est canon. Ouais. Et il vient de chez Claire's. Ah bon, je l'avais pas vu la dernière fois. Il est beau, hein. Faire attention. Ouais, parce que ça casse. Je ne sais plus où on a quoi. Le numéro 9. Ah oui. Pour ton petit déjeuner. 9e. Donc là, j'ai bien. Peut-être doit... là-bas. Ouais. Il est là. Une tasse licorne. Bah vas-y, ouvre. T'es forte, hein, Luna. En même temps, je sens le rond. Le truc pour tenir. C'est la même que Kélia. Oui, je sais, tu me la voulais tellement. Ouais, c'est la même que Kélia. Je te l'avais montré dans une vidéo de Kélia. Tiens. Alors, t'aimes bien? Ouais. Elle est belle, hein? Ça sera en déco, j'y buirai même pas. Trop beau. Elle est belle, hein? Ouais. Je sais même. Ah oui, 10. Le numéro 10. Pour de jolis dessins. C'est une boîte avec dedans des... crayons, des feutres, des pastels. Bah règle. Je sais pas, ouvre. Ouais, c'est des feutres. Et c'est des feutres couleur pastel. Pastel en plus. T'as de tout en fait. C'est color text, comme les crayons de couleur que maman a là en bas. Alors maintenant c'est le 11e. 11. Le voici. Bon maman, tu m'as gâté, j'adore tout ce que tu fais. Et un deuxième qui va très bien avec le premier. Et maman pourra l'utiliser aussi. Un bandeau licorne, je suis sûre. Tu peux ouvrir? Oui. Oui, elle a pris pas. Oh, c'est pas en double, c'est un licorne comme ça. C'est le même. Le truc. Alors, la base violette, c'est pareil. Ouais, regardez. C'est pour qu'on fasse des vidéos assorties. Oui, mais des fois, on pourra. Moi, par exemple. Échanger si tu ouais, veux. Des fois, moi, je pourrais prendre lui ou lui et maman lui ou lui. Voilà. Ils sont alors, trop beaux. Lequel est votre préféré? Lui ou lui? Moi, je préfère lui. C'est vrai? Les deux. En fait, moi, je trouve les deux, ils sont trop beaux. Ouais. Le 12. Le numéro 12. Le voici. Et un deuxième pour être au chaud. Un pull. Licorne. Tu veux ouvrir? Vas-y. Ah, il est trop beau. Donc, ça vient toujours de chez H&M. Maman, elle achète tout le temps d'habits H&M. Donc, le et qu'est-ce que t'as qui ressemble à ça? Ah oui, le maillot de la rentrée. Le maillot de la rentrée. Regardez, il est vachement beau. Il est beau, hein? Ouais. Il était pas cher en plus, ça vaut vraiment le coup. Oui. Donc, voici le numéro 13. Il est vachement gros. Le numéro 13, l'indice est la tenue pour être une jolie licorne. Je sais, une tenue bigami licorne. Non, je ne sais pas, ouvre. Chat licorne peut-être. C'est la tenue licorne violette que je voulais trop. Merci beaucoup maman. Et elle sera sortie avec tes masques. Elle peut faire des belles ah vidéos. Ah oui, comme ça je pourrais être en pyjama en vidéo. T'as vu? Elle est trop belle. Je vais la mettre à la fin de la vidéo. Regardez, je peux même pas vous la montrer, je vais me lever pour vous la montrer. Voilà. Elle est trop belle. On vous fera on vous mettra une photo là. Oui, on vous mettra une petite photo ou on voilà. Vous fera une petite vidéo à la fin. Oui. Donc tiens maman, merci beaucoup. Elle est belle, hein. Oh oui. Là là. Maintenant le 14. Oh bah il est gros quand même aussi. Le 14. C'est tout moelleux. C'est tout moelleux. Qu'est-ce qui est moelleux? Une bigamie? Non, réfléchis. Je sais pas. Un indice. Tu peux dormir dessus.
Ou le meuble à décorer dans ta chambre. Un poussin licorne. T'es sûre? Oui. Ou donuts. Le piège. Mais non, c'était un poussin donuts. Comme le papier cadeau. C'est pour ça que j'ai mis du papier cadeau donuts. Mais donc, je vais vous montrer. Et il vient de chez Claire's aussi. Ah bon, moi je les ai pas vus tout ce que t'as acheté à Claire's. Il est beau, hein? Il est trop beau. Comment il le... Tiens, maman. Le... numéro 15. Le voici. On retrouve du papier licorne. Un petit compagnon. Un chien. Un chien doudou. Bah, je sais pas où. Ouais, une licorne. C'est quand son anniversaire et il a quel âge. Le voici, c'est une licorne et c'est un... Oh, je sais plus. Les Tini là. Oui. C'est pas ça? Si. Les Tini Bou. Ah oui, je sais. Tu peux lire maman, il s'appelle comment? Parce que c'est écrit en anglais. Il s'appelle Pixie et Pixie. Il est né le 26 mai. Ah bah, comme mes frères. Non, mais c'est le 29, ouais. Bah, c'est prêt. Il est beau, hein. Et on fêtera son anniversaire, du coup. Voilà. T'es contente? Oui. En plus, j'en avais eu un McDo. Oui, mais c'est des petits. Oui, et des là, tout... j'ai pris un petit peu plus grand. Maintenant, c'est le 16. Il est comme ça, donc... Le kit de la youtubeuse. Je sais des livres. Tu peux voir? Donc c'est pour ça qu'elle a mis du donut, maman. Encore un petit bout. Il y a dedans un petit carnet que je voulais montrer. Donc on pourra les laisser dans la poche. C'est bon, t'as réussi? Oui. J'ai trois devoirs. Alors je vais sortir un par un. C'est comme l'autre kit, mais c'est pas donut. C'est style licorne et tout. On a un petit stylo donut. Donc avec les... la crème et les petits confettis. J'ai vu des petits vermicelles. Ah, les vermicelles. Ensuite, on a un tag crayon donut. Voilà. On a aussi une gomme donut. Donc, elle est rose la gomme, elle est trop belle. Voilà. On a une règle donut. En fait, il n'y a que des donuts maintenant. Voilà. Je pense que moi je prendrai le petit carnet et toi tu prendras le gros. Comme tu veux. Il y a aussi un petit carnet, on pourra écrire notre vie, on pourra... notre vie, carrément. Des petits poèmes. Et voici le carnet de notes. Montre voilà. À l'intérieur. Il est avec des lignes, non. Si, des, si lignes. Des lignes. Un peu comme mon moche méchant. Oui, il est beau, hein. Ouais. J'ai trop aimé. C'est le 17. Alors, pour y ranger ce que tu veux. Ah, une trousse de toilette. Bah, regarde. Oh, c'est une lunchbox, je crois. Une, pour mettre... Non, c'est pour mettre ton maquillage. Mais vu qu'on n'a pas, bah, tu peux ranger bah, tes feutres ou juste... Je sais pas, ce que tu veux dedans. Voilà. Ou tes bijoux. Non, les bijoux, c'est pour le truc licorne. T'adores? Ouais. C'est trop beau, donc c'est pour ça que... C'est un peu... C'est comme le carnet et tout, oui. En plus, les mêmes donuts. Donc, de manière, du papier. À chaque fois, dedans ce papier, ben, je crois qu'il y a une surprise à chaque fois. Je regarde toujours. Donc voilà, on aurait dit une lunchbox. Ouais, elle est belle, hein. Ouais. Ou après, je pourrais y mettre des fois... Bah, ce que tu veux. Un peu de manger. Non, on verra bien. 18e cadeau, donc le voici. Je sais pas du tout ce que c'est. Pour boire en beauté. Un géant vert. Bah je sais pas où. What? Oh my god. J'en ai un comme ça mais il est plus moche moi je trouve. Il est plus beau. C'est moi qui gardera l'autre et Luna prendra celui-ci.
Voilà, donc il y a des yeux, une bouche, la crème elle est rose en plus. Oh la fraise. Oh la fraise. Il y a des petites paillettes pour le dégoulinage. Il y a la paille rose. Voilà. Il est trop beau. Et je l'ai eu à Claire's aussi. Ah, mais il y a des choses que j'ai pas vues que tu as eu à Claire's. Mais oui. Ensuite, le 19. Donc le voici, c'est une petite boîte. Pour tes lèvres. Elle avait le dit quand je l'avais demandé chez H&M. Bah, regarde. Oui, c'est si bien. En plus, je fais une collection de la vélo en ce moment. De n'importe quel. Donc, le voici dans la boîte. Et je vais sortir de la boîte. Tiens. Donc, le voici. Donc, il a des ailes, une corne. Et c'est quoi? Il est comme ça, dedans. Tout blanc. Donc il faut le retourner, je crois. Oui. Donc, bien. Oui, en plus, en ce moment, je fais une collection, comme je l'ai dit. Un petit donc le voici. Un kit DIY pour une accro des licornes. Je sais, c'est pas le kit licorne à décorer la lampe. Ah, bah je sais pas, regarde. Une folle apparaît dans cette vidéo. Trouvez-la. Et ça vient de Only Cat Girl. Ouais, Only Cat Girl. Et c'est de la marque Canal Toy. Oui, donc on a plein de filles qui ont eu ça. Du coup, moi, je la voulais. Ouais, j'ai jamais eu cette marque. Non, je trouve que cette marque, elle est super bien. Et on vous le testera en vidéo. On vous le testera en vidéo. Oui, des choses. Ouais, il y a plein de trucs qu'on testera en vidéo. Oui. Et puis l'avant-dernier cadeau. Alors, le 21. Le voici. Une jolie veste, très douce. Non, mais dis pas que c'est ça. Mais dis pas que c'est ça. Bah, je sais pas, regarde. La coulisse dit. La veste une licorne. Jolie veste, très douce. Alors, c'est déjà la marque de Bigly. C'est la marque Bigly. Voilà. Voici, donc c'est une marque Bigly. Que vous connaissez tous, donc on va ouvrir, hein. Mais dis pas que c'est la veste que je voulais là. Si c'est ça, ben je fais un a few moments later. Alors, déjà il y a une petite veste licorne chaton que je voulais trop, donc en plus je voudrais la prendre pour la rentrée des classes. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait le swap aujourd'hui. Donc voilà, la petite veste. Donc, on va enlever l'étiquette. Oui, bah déjà essaye-la, voir. Donc j'aime bien moi les gros trucs comme ça. C'est trop bien. Bon, comme ça, pour les petits, ça sera mieux. Et je pourrais la garder pendant de la vidéo. Si tu veux, vas-y, essaye-la. Je vais enlever ça. Vas-y. T'es trop marrant. Ma première veste Bigly. J'adore. La voici. Donc je vais vous mettre la capuche. Vas-y. Et après il y a une autre petite surprise. C'était dans le courrier Bigly. Oh t'es trop belle. Comment elle est douce. Oh là là. Et en plus on peut mettre là les pouces. Trop bien. Et qu'on a froid un peu aux mains. Je veux la même moi aussi. Allez, on va découvrir le petit surprise. Me la petite surprise de Bigly. Avant, il y a deux cartes. Donc, c'est des promotions, je pense. Ah, c'est la game party. Trop bien. Scanne ton code QR et ton challenge. Ah, il y a un petit challenge à faire. Il y a Athéna, il y a Gabin, il y a... Oh, regardez-moi cette jolie carte. Il y a plein de youtubeurs, youtubeuses. On va ouvrir la petite surprise. Donc, c'est une petite bouche. Là, tu vois ce qu'il y a dedans. A few moments later. Maman a ouvert enfin la petite boule. Donc c'est ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que c'est un squishy parce que moi je suis fan de squishy. Ah ouais, c'est un squishy. C'est vrai, je montre. Un squishy, un genre de slime. Je vais vous le montrer, donc c'est vrai. Donc le voici. Il est rose. Et Luna, t'as oublié ton dernier cadeau?
Ah bon? Il n'y en a pas sur la table? Eh si, il est là. Ah. C'est le numéro 22, le tout petit. Donc le voici. Donc je regarde. C'est un vernis spécial pour les enfants. Mmh. C'est un vernis qui part à l'eau. Comme le mien que j'ai là. Et il part aussi les voilà. Et c'est de la marque du coup Peggy Sage. Et c'est pour les enfants. Donc je connais pas cette marque moi. Vu que c'est écrit Kid. Mmh. Donc je vais vous montrer la couleur. Elle est violette métallisée. Elle est trop belle. Voilà. Trop belle. Maintenant ça va me faire une collection de vernis aussi. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Donc voilà tout ce que j'ai eu. Et je vais vous les montrer un par un. Donc pour commencer, il y a ma petite combi. Ma petite veste, je veux dire. Donc, elle est trop belle. Ouais, je l'adore. Gris et rose comme ça en plus. Et ça va. Vas-y, tourne-toi. Waouh. Monte ton petit logo Bigumi sur le côté. D'autre côté, ouais. Oh, c'est trop beau. Et moi, ce que j'adore le plus sur cette... C'est les fermetures, je crois. Ouais. Trop beau. Et les capuches. Ouais, franchement, j'adore. T'es magnifique. Merci. Allez, on passe au suivant. Oui. Le suivant, c'est des marqueurs. Donc, voilà. De la marque Stabilo, qu'on voilà. adore. Il y a aussi des feutres pastels. Donc, voilà, en fait, c'est pour les jolies couleurs. Color pour que Luna nous fasse des jolis dessins. Oui, parce que j'adore dessiner. Voilà. Ensuite, nous avons... donc, c'est la lunchbox. Non, c'est pas une lunchbox. C'est, en fait, c'est une trousse à maquillage, normalement. Et franchement, elle est trop belle. Mmh. Trop cute. On a aussi, donc, le petit Le coussin. Les oreilles. Les petites oreilles de licorne. Oui. On a aussi une brosse. La brosse, elle est trop belle. Ouais. Regardez-moi ça. Il y a aussi ce petit Beanie Boon. Il est trop chou. T'as vu, couleur que t'aimes bien. Et en plus, c'est le 26 mai. Ça date d'anniversaire, donc il est Gémeaux. Oui. Ensuite, il y a la belle trousse. Franchement, elle est canon. Hein. Ouais. Oh, j'adore. Sur le site, elle était moins belle. Ouais. C'est vrai. Plus belle. Le lot de... Le petit kit de la youtubeuse. Oui. Donc, petit carnet, la règle, etc. Mmh. On a aussi donc, la surprise. De Bigumi. Oui, donc elle est un peu sale parce que ça... Les deux bandeaux. Donc, toi, tu préfères lequel, maman? J'adore les deux, en fait. Moi, j'adore aussi les deux. Et vous, qu'est-ce, lequel vous préférez? Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Ensuite, il y a la tasse. Montre-nous-la. Donc là, il y a la corne, les petits yeux, la petite bouche, les petites oreilles. C'est une licorne chat. Ouais. Trop et belle. Et il y a aussi la... La petite lance pour tenir la tasse. Donc, on ne peut pas mettre tous nos doigts dedans. Comme les autres. Ensuite, il y a ce petit porte-bijoux. Il est trop beau. Pour pouvoir mettre sur la corne, sur les oreilles, sur là. Et autour. Voilà. Il y a aussi ce petit labello que j'adore. Vu qu'en ce moment, je fais ma collection. Voilà, il est trop cute. Donc, vu que je fais de la collection des labellos, ben, j'aime bien les labellos. On adore les labellos. Oui. Et je fais aussi la collection des vernis. Donc, un vernis. Pour les enfants en spécial. Voilà. Il y a aussi ça qu'on vous fera en vidéo. Donc, c'est un kit de... Licorne DIY. Oui, donc, on vous en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo. Oui, donc on peut la personnaliser. Ensuite, le gobelet. Qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, je regrette pas. Ensuite, il y a le pull comme mon maillot. Il y a un autre pull licorne, trop beau. Donc, il y a aussi ce joli maillot, trop beau. Ouais, les couleurs sont trop belles. Et il y a la combi Bigumi que Luna va vous faire tout de suite. Voilà. La vidéo est terminée, donc je remercie vraiment maman parce qu'elle m'a vraiment gâtée. Donc après je vais lui faire un bisou. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.